Tu m'as volé mon serpent, pétasse. C'est bien à vous. Il faudra prévenir les autorités parce que quelqu'un... Crève, sale fléau. Hé, hey, pétasse. Juste une piqûre et tu sais ce qui se passe? Oui. Ton sang se liquéfie, tes veines explosent et tu pisses le sang par les j'ai yeux. Dit que je sais. Pauvre pétasse. Arrête. C'est la mallette que je veux. Donne. On m'a promis de me payer. Qui ont? J'en sais rien, c'était sur internet. L'argent qu'on me doit est dans cette mallette. Quoi? On t'a payé pour tuer le gosse avec le fric de sa rançon? Oh putain, ça c'est tordu. C'est plus tordu que... Arrête. Le frelon a un dard, pétasse. Écoute, je te laisse la mallette, ok? Oh, mais tu as vu mon visage, pétasse. Secondes avant que le venin se mette à agir. Oh non, je fais encore du mansplaining. Oh pardon, c'est juste... Est-ce que tu veux quelque chose? Je t'imagine pas tellement croyante. De l'eau? Tu veux peut-être un peu d'eau? Non? Tu veux une couverture? Ou tu veux un petit câlin? Assassiné el saguaro a tuer ma femme. Pero parece que hoy matas dos pájaros de un tiro. On peut juste se laisser un peu de temps. Discuter de tout ça. Je n'arrêterai jamais de te poursuivre. Quoi? Fuis aussi loin que tu voudras. Je te retrouverai toujours. Pourquoi? Je ferai de ta vie un enfer comme tu l'as fait de la mienne. Attends, mais je te connais même pas. Avec toi, non? Ouais. Toi et ton partenaire. Citron, oui, c'est mandarine. Citron, et comme les fruits? Bien vu, gars. Tu proposes quoi? Alors voilà, je vous rends la mallette et en échange, vous me tuez pas. Vous rendez la mallette à votre employeur, il vous laisse en vie. Vous êtes en vie, je suis en vie, et là, on est bien. Gagnant-gagnant. Qui te dit que ton employeur ne va pas te tuer pour avoir foiré ton job? Perdant-perdant, on n'est pas bien. Écoute, je veux juste descendre de ce train, visiter un jardin zen et tout le bordel, c'est tout. Je voudrais accepter ton offre. Génial. Le problème, c'est que t'as tué quelqu'un. Oui ou non?
Comment tu le sais? T'as pas été discret. Et c'était un accident. Tragique et c'est une bizarre à la fois. Version intéressante, mec, mais... moi, je crois que t'avais un plan pour te tirer avec la mallette. Non, non. Nous mettre à mort sur le dos, en espérant que la mort blanche prenne son temps pour nous couper les bras plutôt que les doigts. C'est ce que Thomas, le petit train, dit souvent. Si c'est simple, c'est mieux. Le dessin animé? Ouais, putain, mec. C'est lui qui m'a appris à peu près tout ce que je sais sur les gens, tout. Ah ouais, c'est comme ça que je démasque les gens comme toi. Ah. Toi, t'es un diesel. Je suis pas un diesel. T'es le plus diesel de tous non, les putains de diesels tout. Que j'ai croisés dans ma vie, mec. Les diesels, ils bluffent. Ils vont trop loin. Attends, moi, tout ce qui est diesel, j'évite à fond. S'il y avait un gun sous la table, je suis sûr que je serais aussi mort que le gamin, là. Oh non, merci, c'est bon, ça va. Si, moi je veux bien de l'eau. Vous auriez. Vous avez de l'eau pétillante avec des bulles? C'est ça, voilà. Merci. Oh, domo arigato. Ouais. Ah ouais. Bordel, ça me revient. J'ai filé mon fric à un mec pour qu'il porte mon bob et mes lunettes. Tu. Combien pour la bouteille d'eau, madame? 1000 yens になります. Ah, voilà. Non, de rien. Ouais. 1000 yens, ce qui fait 10 balles la bouteille d'eau, mec. Salut. Domo arigato. Tu veux vraiment pas qu'on en parle? Y a pas de raison, non? Attends, je sais qui a tué le gosse. Oui, dis-moi où il est, vas-y. Il est dans le train. Oui, super indice, ça, hein. Thank you.
We'll be right back.